Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, c'est-à-dire Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui rend témoignage à notre esprit. Donc, ça c'est la première réponse à donner. Il y en a plusieurs, mais premièrement, c'est l'Esprit de Dieu qui va mettre cette conviction dans ton cœur que tu plais à Dieu, que tu es agréable à Dieu. D'accord? Et ensuite, la deuxième réponse, c'est par rapport aux fruits que tu portes. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà. Et ce sont les autres aussi qui vont constater, qui vont voir le changement chez toi. Si les autres ne constatent pas que tu as changé, cela veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Et qui sont ceux qui sont censés reconnaître les fruits que nous portons? Eh bien, si vous êtes marié, c'est d'abord votre époux. Voilà, votre mari. Qui va constater que vous avez changé. Voilà, les enfants. Et s'il n'y a pas ce témoignage-là de la famille, vous voyez qu'on n'est pas obéissant au Seigneur. Je ne dis pas que tous les membres de nos familles vont constater ce changement, mais forcément, même s'ils ne sont pas tous d'accord avec nous, mais néanmoins, ils vont quand même voir qu'il y a un changement de caractère. Voilà. Donc, ne pêche pas volontairement. Si vous péchez volontairement, vous êtes consciente de vos péchés, là, il y a un souci.